Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez tenté de... Je vais prévenir l'infirmière. Non. Attendez. Ne faites rien, s'il vous plaît. Il vaut vraiment mieux que je prévienne quelqu'un. Non, s'il vous plaît, ne faites rien. Je vous en supplie, ne faites rien. Ok. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal à vous comprendre. Le bébé. Le bébé? Mon bébé. Quel bébé? S'il vous plaît, dites-moi que je n'ai pas perdu mon bébé. Non, je n'ai pas perdu. Je suis enceinte. Je ne veux pas le perdre. Je n'ai pas perdu. Qui est l'auteur de cette grossesse? Je ne peux rien vous dire. Qui est l'auteur de ta grossesse, Jackie? Je ne peux pas vous dire. Pourquoi? De quoi as-tu peur? De qui as-tu peur, Jackie? Je ne peux pas vous dire. C'est Ben? Je ne vais pas te faire de mal, Jackie. J'ai juste envie de comprendre tout ça. Pourquoi tu es venue chez nous ce soir-là? Pourquoi tu pleurais? Pourquoi tu as essayé de... Pourquoi il n'y a aucun contact dans ton portable? Et pourquoi tu as essayé de joindre mon mari? Il ne veut pas en entendre parler. Combien de temps? Un an et demi. Elle naît le premier. Je n'ai pas connu mes parents et j'ai grandi dans un orphelinat. Quand j'ai rencontré Ben à l'institut, tout a changé. Au début, je n'étais qu'une étudiante qui admirait son prof. Je voyais en lui un grand frère, un mentor, la figure paternelle que je n'ai pas eue. Et je vous jure que je ne savais pas qu'il était marié, je vous le jure. Vas-y, continue. Je l'ai su plus tard. Elle avait peur de perdre son poste. J'avais pas le droit de l'appeler. J'étais obligée d'attendre qu'il me fasse signe. La semaine passée, il a proposé de m'épouser.